C'était parce qu'il fallait qu'à un endroit, en Languedoc-Roussillon, il y ait cette fameuse maison d'artistes. Il fallait qu'elle existe. Pour montrer aux gens, pour les recevoir, pour faire de la pédagogie, le ramener sous une forme ludique et virtuelle. Amener un plus pour éduquer à la fois les languedociens, les audois et souvent les localités. Qui savaient qu'il y avait de la truffe, mais ne la connaissaient pas pour autant. Elle apporte, cette maison de la truffe, un plus aux trufficulteurs audois, parce que c'est une image qui est donnée tous les jours, toute l'année. Et en retour, cette maison de la truffe, elle a besoin aussi de l'image qui est portée, notamment par le marché, comme vous avez vu ce matin, de la truffe de l'Aude, qui amène aussi son image à la maison de la truffe d'Occitanie. Donc c'est un tout. On a besoin de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est une chance dans l'Aude parce que beaucoup ont voulu des marchés de truffes et on est représenté sur tout le département de l'Aude avec des marchés aux truffes. C'est-à-dire que cette promotion, on l'a fait à grande échelle. Ce matin, vous avez vu le marché aux truffes de Moussoulens, les ampélos, les ampélographies. Pour moi, c'est une des plus belles manifestations qu'il y a au niveau départemental et régional, au niveau du département de l'Aude, certes, mais aussi d'Occitanie. Il y a vraiment des personnes très impliquées, beaucoup de bénévoles, vous avez vu ce matin, des trufficulteurs qui viennent. C'est la truffe et le vin, et ça va ensemble encore une fois. La truffe, on ne peut pas la laisser toute seule dans une assiette. Il faut y amener les condiments et l'accompagner d'un bon verre de vin. Ça, c'est la gastronomie. Ils le portent à merveille, et c'est une très très belle manifestation. Essayez de comprendre pourquoi la truffe, à quoi ça sert, comment on peut la déguster. C'est tout cet intérêt que nous essayons d'amener. Donc, entre les manifestations sur le terrain et la maison de la truffe, c'est très complémentaire.